1er septembre 1944. C'est maintenant le bout du tunnel où brille la lumière euphorisante de la liberté. Ça y est, les troupes canadiennes sont là. On fait libérer. Ces images qui reconstituent cet événement sans précédent reflètent, nous l'espérons aussi fidèlement que possible, l'ambiance de ces heures inoubliables. Ainsi, toute la région diépoise fête dans la joie la liberté retrouvée. Septembre 1994. 50 années ont passé. La commission communale de la libération d'Auffay veut donner un éclat particulier à ce jour anniversaire. Des moyens importants ainsi qu'une aide spontanée des Altifagiens permettent de commémorer dignement cette journée libératrice. Dans quelques minutes, M. Roger Fossé, ancien résistant et déporté, et M. André Gosse, chef du réseau Léopard, vont prendre place dans le véhicule de tête. Suivront les autres engins motorisés datant de la guerre. Place de la gare, la SNCF impose un temps d'arrêt.
De nombreux drapeaux ont été mis en place par les habitants, désireux de participer à cette fête mémorable. Déjà, les sirènes se font entendre. Presque totalité des Altifagiens se retrouvent maintenant dans les rues, rappelant ainsi l'accueil fait à leur libérateur canadien le 1er septembre 1944. Après le passage place de l'église, le défilé se dirige vers le monument aux morts où va avoir lieu la cérémonie traditionnelle. Des gerbes vont être déposées par M. Roger Fossé, sénateur maire, et M. André Gosse, président des forces françaises libres. Le bilan de cette guerre dépasse tout ce que l'on peut imaginer. La Seconde Guerre mondiale a duré 2194 jours. 61 nations, avec 100 à 110 millions d'hommes, y ont pris part. Les hostilités se sont déroulées sur 22 millions de kilomètres carrés. Entre 32 et 40 millions de vies humaines ont été sacrifiées. Les pertes matérielles n'ont jamais été chiffrées avec une approximation satisfaisante. Il est hors de doute qu'elles dépassent de loin celles qui ont été accumulées par tous les conflits antérieurs. La Marseillaise est jouée maintenant par l'Accordéon Club d'Auffay.
Nous allons laisser le monument aux morts pour nous rendre sous la halle où les discours vont être prononcés. Monsieur Fossé va saluer ses camarades résistants pour leur courage admirable et va remercier les soldats canadiens qui ont libéré Houphouët. Monsieur Gosse relatera le souvenir de ses années noires et racontera la naissance du réseau Léopard, clôturant ainsi les discours de cette journée du souvenir.